déjà où est-ce qu'on est en termes de contexte pédoclimatique, hein, qui est un peu particulier aussi en termes d'altitude et de température sur l'année. Et nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu as démarré ton système, quand et comment. Ok. Alors, j'ai démarré mon système en 2017. Donc, je suis pas issu du milieu agricole. J'ai récupéré un terrain qui était en conventionnel depuis 2 générations au moins, donc qui a pas été trop matraqué. On a récupéré le terrain qui était à 2,8 de MO. Ici, on est à 220 mètres d'altitude à peu près. On est vraiment tout au nord de l'Isère. Là, il y a le Bugey qui est ici, il y a le Rhône qui est juste en contrebas. Voilà pour le contexte. On est à peu près à 60 km de Lyon et 60 km de Grenoble, quoi. Pour le lieu, après, comment je me suis installé? Donc, on récupère une ferme familiale, enfin un bout de ferme familiale. La dernière culture qu'il y a eu ici, c'était de l'orge en 2016, donc de l'orge en conventionnel. On est passé en luzerne toute la parcelle, donc la parcelle fait 4 hectares et demi d'un seul tenant. Toute la parcelle en 2016, on l'a laissé un an. Après cette année, en 2017, du coup, fin 2017, on a commencé à épandre du broyat de déchets verts. Donc pour constituer les jardins, donc là on a mis vraiment un apport massif en surface, on n'a rien incorporé, comme sur un terrain très sableux, il n'y avait pas besoin. À raison de, on l'a calculé tout à l'heure, ça faisait 800 tonnes hectares, équivalent, donc une grosse couche. On a bâché et on a planté en juin de la même année, 2017. D'accord. Donc assez rapidement finalement après ton intrant massif. Exactement, ouais. Bah, septembre, bâchage, enfin septembre-octobre, bâchage, plantation de juin. Donc les 6 mois, un petit peu Six mois du delta, tu vois, tout a super bien poussé. Donc je me suis dit ok, bah ça valide un petit peu mon premier itinéraire. Donc on a constitué du coup tous les jardins de la même manière, intrant massif, paillage, plantation. Donc c'est des choses que tu as amené du coup à la brouette parce que t'es pas mécanisé. Exactement, ouais. C'était au début, c'était à la brouette. Après, j'ai eu un chenillard où je l'ai toujours, je remplis le chenillard et j'amène au chenillard. Et maintenant, je projette de passer par la Cuma qui est juste en dessous avec un manuscopique pour faire les gros travaux de manutention, quoi. Dès que tu construis un nouveau jardin, entre guillemets, tu fais appel à la Cuma et que finalement ça te simplifie la vie. Ouais, en termes de temps de travail, c'est divisé par 10. En termes d'ergonomie du travail, bah voilà, on est assis dans le truc. Et en termes de, bah pour ma santé, quoi, pour me préserver dans le futur, pour durer dans le temps, pour que ça soit viable. Un peu de mécanisation pour les gros travaux, c'est vraiment, vraiment utile, quoi. Et du coup, cette matière organique, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tu Ouais. l'as eu où? Tu l'as eu gratuitement? Ouais. Tu sais ce que c'est exactement? Ouais, alors les agriculteurs qui sont en place ont fait il y a à peu près 15 ans avec la plateforme de déchetterie du village d'à côté. Ils sont mis en accord, la plateforme de déchetterie investit dans du matériel de stockage et broyage grossier et les agriculteurs s'engageaient à les épandre sur leur terre. Donc c'est un contrat, donc moi je suis en contrat avec la plateforme. J'inscris mon tonnage par an et il y a le tonnage qui est livré à raison de 3 fois par an. Donc moi je prends 3 fois 40 tonnes sur l'année et après je paye juste le retourneur qui vient retourner une ou deux fois, ça dépend de ce que je veux quoi, l'andain qui sont posés. Ça signifie que ni la matière, ni la livraison, tu la payes. Non, Donc ça, gratuit. c'est en or, ça. C'est en or et donc il y a ça, c'est une première, donc ça c'est ma base on va dire. Ma base de travail, c'est vraiment le broyat de déchets verts qui est livré gratuitement. Et ensuite, il y a une première entreprise de travaux d'entretien paysager, donc qui me livre tonte, feuilles, broyat, donc BRF, toute l'année. Enfin, toute l'année, la tonte, pas forcément toute l'année, mais le broyat toute l'année et les feuilles à l'automne. Et maintenant, une deuxième entreprise qui est encore un peu plus grosse, qui me livre aussi toutes ces tontes et ces broyats et ces feuilles. Toute l'année. Et du coup, le broyat de déchets verts là, de la plateforme, Ouais. tu connais un peu ses caractéristiques? Ouais, alors comme nous on est labellisé bio et nature et progrès, on est obligé d'avoir les analyses. Et en fait, chaque tas qui est posé, enfin le gros tas qui est là-bas en fait quoi, il est analysé. Donc on a toutes les caractéristiques. On se retrouve globalement entre, ça change un petit peu entre le printemps et l'automne selon les livraisons,
Et on se retrouve toujours avec un C sur N entre 30 et 40. Donc pas si élevé que ça finalement. Pas si élevé que ça, ouais. Donc okay. Exploitable. Je pense que la question de la labellisation, tu peux peut-être y revenir parce que c'est une question qu'on nous pose très souvent. Ouais. Des gens en bio là qui veulent faire venir des choses de plateforme et ils ont peur que ça passe pas au niveau de leur organisme de certification. Ouais. Du coup, peut-être que tu peux rappeler comment est-ce que ça se passe vraiment quand on veut finalement pouvoir rentrer de la matière et qu'on est en bio. Ok, alors bah, il y a deux choses. Alors soit la plateforme, c'est une plateforme professionnelle, et pour délivrer de la matière à quelqu'un qui est en bio, il faut qu'il y ait une preuve que le broyat est en dessous des normes bio, donc ça soit acceptable. Et sur l'analyse, c'est écrit « utilisable en agriculture biologique ». Du coup, ça, c'est à la plateforme de faire le boulot. Soit, quand on travaille avec des entreprises locales, là, c'est des certificats qui sont donnés par l'organisme certificateur. Et le paysagiste ou l'élagueur, en fait, s'engage à dire « bah je ne traite pas » ou « je coupe là où c'est pas traité » et du coup, ça fait foi. D'accord. Ok. Et du coup, donc ça, c'est ta première grande entrée de matière. C'est ce broyat de déchets verts. C'est sur N d'environ 40, donc qui n'est pas trop élevé. Ouais. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que c'est assez élevé pour avoir une vraie entrée de carbone importante. Et en même temps, ça ne te fait probablement pas des fins d'azote qui sont trop élevées. Non. Et tu parlais aussi de tonte. Donc ça, c'est des produits avec une action beaucoup plus rapide, plus de fertilisation. Tu les rentres à des périodes qui sont précises, sur des cultures en particulier. Ouais, alors la tonte, c'est quand même un matériau assez rare. Comme on l'a vu ce matin avec François, on peut pas en avoir 100 tonnes sur la saison, c'est pas possible. Ouais. Et là, ça commence, normalement, les premières tontes que moi, je reçois, c'est en avril. Ouais. Donc c'est pile pendant ma plantation de tomates. Donc généralement, ça passe tout sous tunnel, sous les solanacées. D'accord. Donc en gros, la plantation de solanacées, c'est... ça dépend de ce qu'il y a eu avant, mais en gros, si c'est assez propre et qu'il y a encore de la matière, que je viens faire un apport de broyat, et ben mon sol il y a le broyat de déchets verts, je mets mon mulch de tonte. Alors le mulch de tonte, faut quand même faire attention parce que dès qu'on dépasse 4-5 cm, ça a vite tendance à se compacter. Et du coup, ça fait une croûte et l'eau ne passe plus. Donc il vaut mieux faire 3-4 cm de tonte, planter, et revenir en courte saison si on peut remettre un petit mulch de tonte d'encore de 3-4 cm. Parce qu'en 3-4 cm, en 3 mois, il n'y a plus rien. Ouais, ça part très vite. Donc la tonte, j'utilise principalement, ça passe tout sous les tunnels. Quoi. D'accord, et tu as une idée en termes d'unité d'azote, de ce que ça représente ou pas tant que ça? Franchement, non. Je sais pas. 3-4 cm de tonte, je sais pas ce que ça peut représenter en termes de tonnage. De regarder. Ouais. Et le meilleur mélange qui m'a déjà été livré, moi je trouve le compromis tonte, donc petit branchage ou en gros vert brun quoi. Ouais. Un mélange vert brun, ça se compacte pas. Il y a toujours un peu d'azote dedans et on peut en mettre une grosse quantité. Et moi je trouve le compromis intéressant. Ouais. Quand tu dis que ça se compacte, ça fait des sortes de lamelles un peu. Ouais, ça fait. Bah, en fait, comme le mycélium il colonise, et du coup ça fait un truc hyper compact, tout blanc, et l'eau passe plus du tout. Quoi. Plus du tout. Ouais. Parce que même en goutte à goutte. Alors, j'ai pas de goutte à goutte. D'accord, je fais que tout en aspersion. Même avec les solanacées. Ouais. D'accord. Ouais. J'arrose très tôt le matin. C'est et après, j'arrose pas la journée, mais ça marche bien. J'ai pas de problème. Pas de problème de maladie. Non. Impeccable. Tu nous montres un peu tes tunnels. Allez. Ouais. Bah là, c'est tunnel d'automne. Donc les solanacées étaient pas là cette année. Elles étaient là l'année dernière. Ouais. Je suis parti sur des planches permanentes dans les allées. J'ai récupéré une méthode de mon ancien maître de stage qui s'appelle Pierre Besse de mettre des bâches d'ensilage de récupération du coup dans les passe-pieds pour m'éviter de désherber. Donc ça marche assez bien et on peut voir que la vie est quand même assez intéressante dessous quoi. Donc j'ai pas de désherbage. Ça m'évite aussi de la compaction. Quand tu passes avec les pieds en période humide, malgré tout, ça pourrait tasser un peu le dessus et c'est vrai que c'est bien ça. Ça tasse pas, donc c'est chouette et je désherbe pas quoi.
Donc voilà, donc je suis sur planche permanente. Là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir une association salade chou qui marche assez bien, je trouve. Je la fais à chaque fois, quoi. Dès que je mets un chou, comme le chou, il est très long à se développer, j'ai largement le temps de faire une salade dedans, ouais, quoi. Bien sûr. Et du coup, juste pour revenir sur ton système de planches, ouais. À tes planches, à un moment, tu les as montées, du coup, ou juste tu les as faites à plat, et ensuite, c'est les passe-pieds qui se sont tassés d'eux-mêmes, ce qui fait qu'on voit ce dénivelé. Je les ai faites à plat, et après, j'ai avec un croc, j'ai quand même rabattu un petit peu pour que ça fasse vraiment mes 80 de planches, ouais. Et pour marquer les passe-pieds. Et 80, finalement, c'est une planche relativement petite par rapport à ce qu'on voit dans beaucoup de systèmes. Comment est-ce que tu as fait ce choix-là? Et ben, 90, 100, jusqu'à 1m20. Ouais, jusqu'à 1m20. Alors, comme moi je suis pas mécanisé du tout, je peux faire vraiment la taille que je veux, j'ai pas d'anthrax à respecter ou quoi. Et je trouve que 80, en fait, on peut faire largement le bord, la moitié, voire les trois quarts. Donc, c'est assez pratique. Et en fait, j'ai juste à faire un petit pas pour enjamber et me retrouver de l'autre côté. T'as pas besoin de faire un grand pas. Voilà. Exactement, ouais. Donc, je trouve ça assez pratique. Après, je travaille sur 25 ou 30 mètres de long. Et pareil, quand j'arrive au bord de ma serre, je vois le bout. Et ça, quand je fais des séries de plantations, je trouve que c'est agréable aussi de voir la fin de la planche, quoi. C'est sûr que ça peut vite être long. Mmh. Et du coup, tu cultives jamais tes passe-pieds? Non, jamais. Enfin, si, j'ai commencé à cause de Xavier. Je fais un essai de culture en plein, donc là sur de la mâche et sur une autre serre sur salade. Donc là, il y a ton passe-pied. Finalement, t'as enlevé ta bâche et t'as planté direct dessus. Exact. Et là, j'ai refait un apport de broyat. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que dans mes itinéraires techniques, mon gros apport de 20 cm, comme je sais que c'est un énorme apport, je me suis dit que j'en remettrais que tous les 3 ans, un gros apport. Donc là, ça faisait 3 ans, je me suis dit, allez, du coup, je vais essayer. Donc j'ai enlevé la bâche des passe-pieds, j'ai remis mon gros apport et j'ai planté en plein. Alors pour les gens qui nous écoutent, là, la question de planche et passe-pieds, et pourquoi est-ce que je pose la question de l'utilisation des passe-pieds, c'est que finalement, des serres, on regarde sur la ferme, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est souvent le facteur limitant, c'est la surface sous tunnel parce que ça coûte cher. Et du coup, plus il y a de passe-pieds, plus on a une surface qui finalement est perdue. Et pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas les passe-pieds? C'est vrai que dans les cultures où les gens ils font par exemple que de la salade ou que de l'épinard ou que de la blette, il n'y a pas de passe-pieds. Il y a éventuellement un petit chemin central et l'ensemble de la surface est cultivé. Alors c'est possible dans des systèmes qui sont mécanisables, c'est plus simple, mais ça se réfléchit aussi dans des systèmes plus manuels. On dit finalement c'est dommage d'avoir un tiers du tunnel qui est utilisé pour circuler. Donc voilà, il faut trouver peut-être un compromis. Peut-être qu'il ne faut pas le faire, mais en tout cas ça se réfléchit sur des cultures qui ne sont pas des cultures en ligne mais qui sont des cultures en plein. Ouais. Où on se dit que c'est peut-être pas nécessaire dans une mâche qui a un cycle très rapide. On n'aura probablement pas besoin d'aller désherber et du coup on n'a probablement pas besoin d'avoir un passe-pied et du coup c'est des choses qui sont intéressantes pour gagner de la place sous tunnel où, où la place elle est chère en fait. Ouais, clairement. Après c'est intéressant de faire ça justement comme tu dis sur une culture rapide. Je me verrais mal faire ça je sais pas, sur un fenouil qui est un peu plus long ou sur des choux par exemple. C'est choux salade, après c'est compliqué d'aller dedans quoi. Pour récolter, c'est un peu plus sur difficile. Sur les cultures rapides, sur les cultures feuilles, voilà, sur de l'épinard, sur de la mâche, sur des salades, c'est des choses qui vont bien. On continue. Et on remarque aussi que c'est des cultures, les cultures feuilles, qui sont assez peu sensibles à la compaction. Ok. Et même qu'on a marché dans le passe-pied, et ben, en plantant dedans, et ben, on voit pas de différence de pouce. Ah, tu veux dire que si je plante dans mon passe-pied, là, ça passe? Que ça passerait. Alors, comme t'es pas en goutte à goutte et qu'en aspersion, t'aurais un problème. C'est que l'eau, il viendrait quand même se mettre préférentiellement dans les passe-pieds. Ouais. Et t'aurais des différences de pouce à cause de ça. D'accord. Parce que t'es pas plat. Mais si tu décidais de mettre un coup de râteau, juste d'aplanir, et de planter sans toucher à ton passe-pied, ta structure de sol justement avec des cailloux un peu sableuses et avec beaucoup de matière organique pose aucun problème et t'aurais pas de différence. Ok, ah putain. T'aurais pas forcément besoin de remettre de la matière. Ok. Tu pourrais prendre un peu de matière sur le côté et la mettre dans le passe-pied juste pour que ça soit plat. Ça suffirait alors. Et ça suffirait. Ok, on avance. Bon à savoir. Du coup là c'est, tu as fait les mêmes apports en serre et en plein champ. Ouais. Alors, en serre, c'est manger plus vite, j'imagine. Oui, c'est... Est-ce que tu en remets plus souvent?
Ouais, alors comme je t'ai dit, du coup je mets tu veux dire du broyat ou du paillage ou peu importe. Ouais, les deux, ouais. De la matière. Bah broyat, je reste sur ma comme c'est fastidieux et assez long à faire, je reste sur 3 ans 20 cm. Après par contre, j'ai apporté beaucoup plus de paillage hein. Là, j'ai eu un coup de tonte à l'automne. Bah j'ai pas hésité à le remettre sous serre. Je sais que ça va être mangé ouais. Au printemps, ça va être mangé rapidement. J'en mets quand même beaucoup plus sous serre que dehors quoi. Là on a une épaisseur qui est assez conséquente. Là on a presque 10 cm en fait d'organique, où on a 100% d'organique et ensuite on a le sol. Alors je suis un peu étonné, je me pose la question de finalement c'est quoi la tête de rotation sur laquelle tu viens mettre ton broyat. C'est-à-dire que finalement là tu as remis du broyat sur de la mâche. Ouais. Est-ce que c'est la meilleure culture pour venir remettre du broyat? Non. Non, mais je sais pas. Je me pose la question. Voilà. Non, c'est par anticipation de celle de l'année prochaine. Voilà. Est-ce que pour toi, quelle serait la meilleure culture pour en profiter pour remettre de la matière? Ah, en direct, bah ça serait une culture gourmande de préférence. Une tête de rotation assez gourmande, soit un chou, soit une courge ou quelque chose comme ça pour que ça vienne vraiment capter les aliments le plus rapidement possible, je pense. Alors, est-ce que tu peux détailler ta réflexion là? Pourquoi est-ce que tu mettrais des apports de broyat sur une culture gourmande? Bah parce que c'est un aliment. Enfin, pour moi, le broyat que je vais apporter, il est très vivant et très riche tout de suite. Et du coup, pour que ça profite aux légumes, pour moi, ce serait un légume plutôt gourmand qui va pouvoir vraiment s'enrichir dans ce qu'il y a de plus riche du coup de ce que je lui apporte. Ok, moi j'aurais la réflexion inverse. Ah ouais. Mais c'est intéressant. Pourquoi ma du coup hein. C'est plutôt de dire ton broyat, il va plutôt être un amendement qu'une fertilisation. Ok. Et du coup, il va probablement plutôt capter de l'azote que en fournir. La question c'est, est-ce que tu as déjà un sol qui fournit énormément d'azote ou pas? Ça, tu peux le deviner par tes cultures qui sont effectivement assez poussantes. Un nitratest, c'est pas mal. Et du coup, pour moi, la matière organique que tu apportes, elle éponge éventuellement des excès, mais elle va pas apporter d'azote. Ou en tout cas sur le long terme. Okay. Du coup, une courge, une tomate qui sont des cultures, un chou qui sont des cultures très gourmandes, tu leur rends pas forcément service à court terme. Alors à long terme, c'est une autre histoire parce que là on est en train de parler de construire le système. Mais à long terme, tu leur rends pas forcément service, à court terme, pardon, parce que ça va pas leur apporter un boost de fertilité immédiat. Ça va prendre 6 mois, 7 mois, 8 mois avant de minéraliser. Donc c'est pas du tout la culture que tu mets en dessous qui va en profiter. Du coup, à mon avis, il faut au contraire, sur les cultures très gourmandes, avoir une approche beaucoup plus fertilisante que d'amendement. Ok. Et du coup, il y a deux solutions. Soit tu mets de la fertilisation en même temps, pour compenser, si tu as l'impression que ça pousse pas. Après, si ça pousse et qu'il y a assez d'azote dans ton système, t'as pas besoin. Donc ça, c'est voir comment est-ce que tes légumes poussent. Et c'est toujours intéressant d'avoir une petite bande où tu vas mettre quelques bouchons, tu vas mettre 50 unités d'azote sous forme de bouchons, et tu te fais un carré de 1 mètre, 2 mètres carrés, et tu vois s'il y a une différence. S'il y a une différence, ça veut dire que tu manquais de fertilité et de minéralisation. A priori, ça n'a pas l'air d'être le cas dans tout sol, mais pour ceux qui nous écoutent, souvent c'est l'erreur qu'on fait. En MSV, on est souvent en fin d'azote, au moins au démarrage. Après, le système il se met en route et les choses changent. Du coup, pour moi, je me pose la question, tu vois, les apports de matière organique, finalement, on n'a pas trop envie de les faire sur des légumes feuilles, parce que c'est compliqué à la récolte, c'est compliqué à planter, ça en met un petit peu partout, c'est pas forcément idéal, on préfère avoir un sol avec pas trop de résidus sur des légumes feuilles quand même. Ouais. Sur des cultures très gourmandes, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, une fois que la culture elle a démarré. Donc, par exemple, on pourrait imaginer une tomate en juillet. Là, on pourrait faire au pied, pour désherbage, un gros apport. La culture, elle est partie, elle est enracinée, elle a déjà une grosse partie de ses besoins qui est consommée. On vient au milieu du cycle ramener de la matière. On peut imaginer aussi sur un poireau. Il y a beaucoup de gens qui les gens, ils butent le poireau. Tu pourrais imaginer un butage du poireau avec ton apport massif. En fait, la culture, elle est déjà lancée. Et du coup, ton apport, comme en plus tu l'enfouis pas, il va pas avoir d'effet. Et du coup, t'en profites du milieu de ta culture pour faire à la fois désherbage et apport massif, et c'est ton moment où tu t'en profites.
Ok. Ça me semble, après, c'est à réfléchir à notre système, mais ça, ça me semblerait probablement plus pertinent qu'avant une courge, où la courge elle a besoin de fertilité starter qui est très rapide, ce qui ne va pas être le cas quand tu amènes un broyat avec un testurène de 40. Ok. Après, pour compléter l'itinéraire du coup que je fais, en fait, je fais à chaque fois, c'est souvent le même, c'est quand je viens implanter une culture, donc j'ai mon broyat plus le mulch que je vais mettre. D'accord. Donc tu vois, dans le cas de la tomate, bah c'est le broyat plus la tonte. On parle de mulch de tonte. Ouais, mulch de tonte. De paille ou de choses comme ça. Non. Et du coup, le mulch de tonte, tu le mets par-dessus ton broyat. Ouais. Et du coup, pourquoi tu le mets pas par-dessous? J'aurais peur que ça se compacte, que ça se dégrade pas ou que ça stagne, quoi. D'accord. Pour plutôt une question d'aération, quoi. Ok, la question c'est si t'as une épaisseur de mulch et que t'as mis ta tonte, est-ce que les racines elles en profitent? Voilà, ça j'ai pas la réponse, mais c'est pas sûr que le broyat il t'ait pas mangé l'azote, le peu d'azote qu'il y avait dans ta tonte, et qu'en fait il a pas servi surtout à décomposer le broyat avant de profiter de la plante, quoi. Culture, quoi. Ah ouais. Donc ça c'est des choses qui se réfléchissent, mais c'est pas garanti. Peut-être que. Putain, mettre de la tonte en dessous de mettre du broyat, ce serait pas un problème. Après, il faut que tu vois par rapport à tes problèmes concrets, on va dire, de maraîcher au quotidien. Effectivement, si tu vois que ça fait quelque chose qui est pas bien en termes de structure, il faut pas le faire. Mais spontanément, sur une tomate ou sur une culture gourmande, j'aurais plutôt tendance à dégager les résidus pour avoir de la chaleur, de la précocité, mettre sur le sol, voire légèrement incorporer des choses riches en azote qui vont profiter tout de suite à la culture, et plus tard dans le cycle, venir charger en broyat, qui vont pas être contre la fourniture en azote de la culture, et qui vont faire un impact désherbage et maintien surtout de l'eau. Une fois qu'on va arriver sur l'été, que l'eau va commencer à devenir limitante avec une forte évapotranspiration, et là on a un intérêt à garder l'humidité, mais on n'a pas trop envie de garder l'humidité quand même en début de culture. Quand on est en avril, qu'il fait encore froid et que la culture elle a du mal à démarrer, avoir 20 cm de broyat, ça peut être handicapant sur des situations où il fait un peu froid, comme on peut probablement l'être ici, en avril à 250 mètres d'altitude, il doit encore faire froid le matin quand même. Il fait frais, ouais, il fait frais. Mais le c'est quand même une matière, c'est assez noir, hein, c'est assez sombre, ça capte quand même un peu la chaleur. Ouais, mais tu mets la main chaleur, c'est frais. Ouais, ça reste frais. Plus que s'il n'y a rien. Ah ouais. Je dis pas qu'il faut qu'il y ait rien, mais c'est des choses qui doivent être réfléchies dans le cycle de la culture et aussi dans tes impératifs après de précocité ou pas. Voilà, c'est des choix après de chacun et de système. Mais en général, on considère que de la même manière qu'on va isoler une maison avec de la paille, c'est pareil. Hein, même quand tu mets de la paille sur ton sol, tu l'isoles et du coup, tu gardes la chaleur quand il y a de la chaleur et tu gardes la fraîcheur quand il y a de la fraîcheur. Ça, c'est des erreurs que je referais pas. J'avais fait une plantation de patates nouvelles sous paille. Ouais. Et la paille, je l'avais mis direct. Et ben, c'était catastrophique. Il faisait trop froid. Ouais, il faisait trop froid, ça n'a pas réchauffé. En fait, les cultures un peu sensibles comme la carotte et le radis, typiquement dans un truc comme ça, c'est très très dur de semer. C'est pour ça que je fais que de la mini-motte. Par contre, si je veux semer un radis ou une carotte, bah, je suis obligé de passer un bon coup de râteau et limite de passer le rouleau plombeur pour avoir un contact graine-terre, quoi. Sinon, je l'ai pas, ça lève mal et je rate ma culture, quoi. Donc, bien préparer la planche et si elle est bien prête, et bah, je peux semer dedans, quoi. Mais après, du coup, désherbage et tout le reste, quoi. Ouais, il y a une solution complémentaire de ce que tu fais, mais effectivement, quand t'as des résidus de culture et du broyat au sol, tu peux pas semer. Ouais, en gros, c'est pas possible. Non, c'est trop compliqué. Du coup, t'es obligé d'avoir des conditions type lit de semences classique pour faire ces choses-là. Exactement. Si tu voulais faire de la betterave semée, ça serait pareil. Ouais. Il faudrait que t'aies le sol qui soit à la fois plat, ça c'est super important, avec une certaine fermeté pour avoir le bon contact et dégagé. Et la question, effectivement, c'est celle des mauvaises herbes. Et ce qui peut être fait, c'est de mettre une bâche d'occultation après avoir sorti les résidus, avoir plombé. Et là, tu fais 2 mois d'occultation. Ok. Et là, quand tu enlèves l'occultation, tu as ton sol qui est prêt, mais qui est propre. Ouais, du coup, ça fait un gros faux semis. Ça fait un bon 2 mois. Ça fait un faux semis. Après 2 mois, ça peut être 3, ça peut être 1, tout dépend de la saison. Plus on est en été et il fait chaud, il y a de l'humidité, plus ça peut être rapide. Ouais. Et en hiver, il vaut mieux que ça soit long. Et du coup, technique complémentaire, il s'agit de mettre une culture sur paillage plastique.
classique, ça peut être une de bâche tissée ou quelque chose de plus léger en fonction de ce que tu utilises. Tu prépares ton sol pour tes radis. Ok. Tu mets ton plastique, tu mets ta culture paillée. Donc en fonction, ça peut être ton fenouil, ça peut être voilà, tu vois quelle culture tu veux faire. Ça peut être une courgette puisque tes radis, tu peux les faire aussi en fin d'été. Et quand ta culture est terminée, tu coupes ta culture précédente vraiment à la base. Tu retires le plastique et tu sèmes directement ton radis. Voilà. Ah, pas mal. Tu utilises une culture avec plastique comme une sorte de faux semis ou d'occultation pour la suivante, à condition d'avoir préparé avant pour le semis. Ah ouais, pas mal. Ok. Donc ça, c'est des stratégies qui se réfléchissent dans des situations où c'est pas forcément facile de semer. Ouais. Il y avait aussi en complément peut-être de ça. Alors je sais pas. Moi, je l'ai pas encore essayé, mais il y a peut-être des retours là-dessus. C'est carrément prendre du compost du 0,10. Déjà tout prêt, faire un lit de 3-4 cm et de semer dedans et ça comme ça. Bien, mais il faudra quand même que tu enlèves la paille. Ouais. Voilà. Mais ça, ça marche très bien et ça fait le désherbage. Ça fait un désherbage qui est moins efficace que s'il y a eu de l'occultation, mais ça fait un désherbage qui est déjà pas mal. Et la seule chose auquel il faut faire vraiment attention, mais je pense que c'est la même chose dans ton sol très finalement organique, c'est éviter que le dessus il sèche. Parce que le compost, ça sèche super vite. Une fois que c'est sec, tes graines sont mortes. Ouais. Et du coup, l'aspersion, ça suffit pas. Il faut vraiment une micro-aspersion. Donc, il te faut des petits, des petites buses très régulières qui te font une pluie très fine. Et quand tu sèmes, surtout si tu sèmes en été, il faut aller arroser toutes les deux heures, 10 minutes. Quoi. Il faut vraiment que ça sèche pas parce que si tu arroses une fois par jour, c'est foutu, quoi. Ah ouais. Le compost, il a séché et tes graines sont mortes. Ok. Donc, faire gaffe à ça. Ça, c'est une technique qui marche bien à condition d'avoir le programmateur. Quoi. Ouais. Et la micro-aspersion. Ok. C'est ce que je voulais essayer pour les carottes primeur l'année prochaine, tu vois. Mais du coup, tu fais bien de me le dire. Vérifier vraiment l'eau, quoi. Et je reviens sur la question du fait d'être plat. C'est vraiment important. Ok. Plat et plan, enfin on va dire plan plus que plat, c'est-à-dire avoir quelque chose de lisse sur la planche, sur ce semis-là, c'est important. Parce qu'ensuite, dès que tu vas arroser à l'aspersion, ce qui n'est pas le cas au goutte à goutte, hein, mais dès que tu vas arroser à l'aspersion, l'eau elle a tendance à aller dans les creux, et du coup le haut il est sec. Et du coup, tu vas te retrouver avec des zones qui sont plus humides que d'autres si ton sol il n'est pas parfaitement plat. Et sur des semis, ça peut poser problème. Et du coup, les résultats sont toujours meilleurs quand il y a une certaine platitude du sol. Et du coup, là, il faut voir à la main comment est-ce que tu peux faire. Est-ce qu'au râteau, ça suffit? Est-ce qu'il faut un petit rouleau à main? Enfin, voilà, toutes ces choses-là se regardent. Je pense qu'il y a... Ah, parce que c'est dur d'avoir un sol plat, surtout dans nos systèmes où il n'y a pas de... Il n'y a pas de mécanisation, c'est jamais plat en fait. C'est la difficulté et ça pose pas de soucis pour les cultures en ligne ou des choses comme ça. Mais dès qu'on est sur des cultures en plein à l'aspersion et encore plus des cultures semées, c'est mieux que ce qu'on sait pas. Ok. Bah tu vois là, pour changer un peu de sujet, typiquement, c'est le genre de matière que je peux récupérer pour revenir sur les broyats. Du coup, là, c'est carrément aussi du fumier ? Non, c'est de la tonte. Ah, c'est de la tonte de 2 ans, ça. On dirait du fumier. Hein. Ouais, ça, mais non. Ça sent presque. Alors, j'ai eu le coronavirus, je sens plus rien, mais. ouais. Donc, effectivement, ça. Ouais, c'est de la tonte de 2 ans. Hein. Très humide, la tonte. Voilà. Donc, là, on est sur quelque chose qui est complètement gorgé en eau. Et moi, c'est ce que j'avais vu sur des gens qui avaient mis beaucoup de tonte. Ça faisait pas le phénomène que tu dis de tout blanc. Ah ouais. Moi, je l'avais pas vu. Par contre, ça fait une sorte de pâte noire au-dessus, très humide, qui pourrit. Mais sans que ça fasse du blanc. Okay. Mais ça pourrissait et du coup, ça laisse pas passer l'air non plus. Et du coup, c'est effectivement, il faut faire un petit peu attention. Il faut que ça reste aéré. Voilà. Et du coup, c'est aussi une histoire de longueur des brins. Peut-être que là, c'est pas évident, mais plus les brins sont courts, plus. Plus t'as de risque. Plus y a de risque, voilà. Donc peut-être mélanger avec un peu de paille au brin long, il y aura peut-être des solutions à trouver. Ouais, ou un truc un peu plus grossier, des feuilles, des trucs comme ça. Tu vois, là, le mélange feuille-tonde, ça, c'est génial, quoi. Ouais, voilà. C'est vraiment génial. Le côté compact. Non, ça compacte jamais, quoi.
là on arrive dans ton plein champ, c'est des... Ouais, on arrive dans mon plein champ, en gros, je me suis calé un petit peu sur le modèle de Fortier pour tout ce qui est standardisation. Donc planche de 25 mètres par 80 cm de large, 40 cm de passe-pied, 10 planches par bloc. D'accord. 300 mètres carrés au total et 200 mètres carrés cultivés. D'accord. Voilà, donc pour calculer. J'ai un tiers de passe-pied. J'ai un tiers de passe-pied. D'accord. Ouais. Mais c'est quand même assez pratique, 40 cm, on passe la largeur d'une caisse, quand on s'accroupit, on casse pas la blette d'à côté ou très peu, c'est assez intéressant. Ouais. Donc voilà, moi, donc pour revenir aussi à la fin de comment c'est constitué, alors j'ai à cette année-là 3500 mètres carrés cultivés, 800 mètres carrés de serre. D'accord. Voilà. Et j'estime à ma capacité physique, je pourrais pas aller au-delà de 4000. C'est le maximum, je pourrais pas faire plus. Sans avoir quelqu'un pour t'aider. Ouais, sans avoir quelqu'un pour m'aider. Déjà là, c'est limite. C'est déjà limite. C'est limite en termes de temps de travail. J'ai encore beaucoup à gagner en temps de travail, parce que je travaille beaucoup trop, je pense. Je pense c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent. Ouais. Si tu veux bien nous dire. Ouais, bah l'été. La répartition en fait aussi. Parce que tu me disais que finalement tu avais assez peu de temps de désherbage. Ouais, j'ai très peu de temps de désherbage. Le gros de ton temps, c'est plutôt plantation, récolte, irrigation. Ouais, irrigation, ça me prend un gros temps. Je pourrais faire une parenthèse sur irrigation parce que c'est assez compliqué quand même ici. Et le gros temps, le temps de semis. Le temps d'élevage des plants, ça me prend quand même un bon... Je fais tous mes plants, ouais. Donc ça prend du temps, du coup, ça prend énormément de temps. L'implantation, c'est assez rapide. Comme j'ai des petites planches et que je fais des petites séries, ça va vite. La récolte, bon, ça prend toujours un peu de temps. C'est en gros une semaine type. C'est lundi, mardi, récolte, conditionnement, vente. Mm-hmm. Et mercredi, jeudi, vendredi, après, travaux au champ. D'accord. Sauf que ça déborde. Ouais, donc en termes de temps, l'été, je suis entre, je dirais, 70 et 80 heures par semaine. Et l'hiver, je tourne plus autour de 40-45. D'accord. Voilà. Sachant que moi je suis 100% au champ et Mélanie avec qui je suis installé, qui est installée à 50%, elle s'occupe de tout ce qui est compta, bureau, préparation des commandes, confection des paniers, tout ça quoi. D'accord. Ce qui est un énorme boulot quoi, que je pourrais pas faire tout seul. Si j'étais tout seul, je diviserais par deux ma surface, sinon ce serait juste pas possible. Impossible à gérer. Ouais. Sans mécanisation et avec autant, parce que tu as beaucoup d'espèces et aussi ouais. Beaucoup de variétés surtout. Ouais. Et ouais, du coup, ouais. Ça veut dire que chaque petite placette ou chaque rang, elle suppose aussi une gestion à part entière. Et du coup, c'est pas pareil de faire 4000 m² avec 30 espèces et avec 4, une seule espèce. Voilà. Ouais. Ou deux. Ça demande beaucoup plus de temps forcément. Mm. Et du coup, sur la partie irrigation. La partie irrigation, alors compliqué parce que je résume. Donc j'ai une, comme c'était un terrain conventionnel, il y a trois bornes d'irrigation au bout de la parcelle qui est reliée à une station d'irrigation qui pompe dans le Rhône. Mmh. Sauf que comme c'est une station commune avec les céréaliers, principalement ici c'est maïs semences, ils n'ont pas besoin de l'eau toute l'année. Donc la station est ouverte que du 1er avril au 31 septembre. D'accord. 30 septembre. Et 1er octobre, il n'y a plus d'eau jusqu'au 1er avril. Ah oui, plus ouais, d'eau. Plus d'eau. La station est coupée, donc voilà. Alors l'été, c'est Versailles, je peux arroser un peu quand je veux. Okay. Sauf que, autre problématique, c'est que quand ils arrosent en plein avec leurs gros enrouleurs, dès que moi j'arrose, je fais baisser tout le débit, donc je peux pas arroser. Et je peux pas déclencher la station tout seul parce que j'ai pas assez de débit. Ouais, ok. Donc à l'eau je peux arroser, ah bah ouais j'ai un créneau de midi à 18h, à l'eau je peux arroser, ah bah non faut attendre demain. Donc tu vois, aller au bout, ouvrir les vannes, ouvrir mes vannes, réaller au bout, fermer, contrôler que j'ai bien mis la bonne dose. Du coup tu décides pas gros forcément l'heure à laquelle tu peux vraiment arroser, alors, le jour à laquelle tu peux vraiment arroser. Maintenant si, parce que la première année c'était comme ça, donc c'était horrible au niveau du temps de travail. Et j'ai réhabilité des cuves en fait qui sont derrière la ferme, où j'ai 250 mètres cubes, en gros ça me fait un tampon. Donc je peux remplir tout seul, parce que c'est en débit libre, donc je peux remplir n'importe quand quoi. Et je pompe dedans pour arroser quand je veux. D'accord. Et voilà. Du coup pourquoi est-ce que en serre t'as pas de goutte à goutte? Bah, j'ai appris à travailler avec de l'aspersion du coup, là où j'ai appris, et ça marche très bien, et j'ai pas envie de me faire chier, dérouler du goutte à goutte, re-enrouler du goutte à goutte. C'est vrai que ça prend du temps. Ouais, non, en aspersion ça marche très bien, moi j'ai jamais eu de problème.
Le problème que j'ai, c'est que ce soit en plein champ ou sous serre, comme je fais des petites séries. C'est la question que j'allais te poser. Et voilà, et du coup, je suis obligé de tout arroser. Bon, alors même quand j'ai, je déroule ma bâche dans silage pour débâcher et que j'implante deux planches par deux planches, bah du coup, j'arrose tout. Et ça, c'est nul, quoi. Tu peux pas, ouais. Il faudrait sectoriser les arrosages, quoi. Mais du coup, c'est compliqué parce qu'il faut mettre des vannes partout et. Voilà, ouais. Ça, et mettre encore plus de buses, plus de rampes et. Donc ça, c'est pas terrible. Donc là, on voit qu'il y a surtout la moutarde qui a pris le dessus. Ouais. Ça avait planté de la facéline, mais on la voit pas trop. Ouais, il y a un peu de. Il y a un peu de sarrasin qui doit traîner par là, quoi. Voilà. On voit qu'effectivement, le sarrasin, mais là, il a pas aimé les, il a pas aimé le froid qui a dû arriver et il est. Il est un peu chétif. La semaine dernière, il était encore assez en fleurs. Il était assez joli. C'est la moutarde qui finalement qui est assez agressive sur l'azote. Je pense que effectivement la luzerne, c'est un bon précédent pour la moutarde. Elle a dû bien apprécier. Donc là, on voit qu'en surface, t'as beaucoup plus de cailloux que là où on était tout à l'heure. Carrément. Vu que t'as pas mis ta couche de matière organique. Et là, ma fourche, elle a du mal à y rentrer. Et l'itinéraire technique, du coup, je reviens dessus. Donc pour casser la luzerne, on a fait deux passages de sous-soleuse. D'accord. Et après, je suis venu avec, donc j'ai semé à la volée. Oui. Et je suis passé avec une roue émietteuse pour enfouir, quoi. Enfin pour et après un petit coup de rouleau plombeur pour avoir un contact. Et t'as passé ton décompacteur pour quelle raison? Pour casser la luzerne. Un décompacteur, ça casse pas une luzerne. Enfin, le pas de décompacteur, la sous-soleuse. La sous-soleuse ne casse pas une luzerne. Ah ouais, bah, ça a bien passé. Mais c'est toi qui m'avais conseillé un truc comme ça. Non, je crois qu'on avait parlé éventuellement de pas de doigt. Ouais, la pas de doigt, c'est ça. Ah voilà, donc ouais. Pour les gens qui nous écoutent, on parle de deux choses différentes. Ok. Du coup, là, une sous-soleuse, c'est plutôt pour venir casser une semelle de labour ou une compaction en profondeur. Et là, on parle en pas de doigt, donc on parle d'outils qui vont travailler en recouvrement total pour venir casser les collets de la luzerne à une profondeur qui est assez faible, c'est 3-4 cm. Ah, c'est ça. Donc c'est ça que tu as fait, ces deux passages-là. Ouais. Donc, c'était pas un décompactage, c'était plutôt un scalpage. On rentrerait dans ce que on a été présenté tout à l'heure avec Xavier. Donc un scalpage. Donc là, on voit bien qu'il y a une bonne colonisation du début du profil par plein de petites racines très blanches et que c'est l'ensemble de tout cet horizon qui est colonisé. Donc on pourrait ouvrir le sol là pour voir si c'est également le cas en profondeur, mais c'est probablement intéressant de regarder ça, mais on ne pourra pas le faire. Et donc là, tu pars déjà dans des conditions, on le voit, qui en fait de base, sans avoir fait d'amendement de masse, sont déjà excellentes. Là, on a une texture qui est super. Je sens pas le sol, mais tu pourrais me dire s'il a une odeur. Ouais, ça sent bon. Donc là, ça veut pas dire qu'il faut pas faire d'apport aussi sur cette surface-là. Mm-hmm. Mais quand on part comme ça, on pourrait déjà envisager de cultiver directement, en tout cas uniquement du point de vue texture. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun correctif à faire. Donc ça c'est super. Ce qu'il faudrait voir, c'est l'aspect fertilité. S'il faudrait pas éventuellement mettre de l'engrais si t'as pas tes amendements qui te permettent justement de mettre en place tout ton système organobiologique où tu vas avoir les vers de terre qui travaillent et t'apportent de l'azote. Même avec un précédent de 3 ans de luzerne, tu crois qu'il n'y aurait pas du coup cet effet si la luzerne elle a uniquement été pâturée et qu'il n'y a pas eu d'export, là tu as probablement un stock d'azote qui est assez important, mais ton stock d'azote en un an et demi, il va être mangé complètement par les légumes que tu vas mettre parce que c'est des cultures qui sont très gourmandes, en azote. Donc ça suffira pas sur le long terme d'avoir eu de la luzerne pendant quelques années, ça suffira pas à te produire de l'azote suffisamment grand volume, on va dire, pour envisager tourner là-dessus pendant ne serait-ce que 3 ans. Ok, ça, moi je pensais plus dans la question, c'était pour démarrer direct. Voilà, la question c'est pour revenir un peu à des gens qui finalement sont des surfaces un peu plus grandes.
Et pour qui c'est compliqué d'aller apporter des quantités de matière organique comme tu l'as fait, qui sont vraiment très importantes. Et du coup, amener de la matière exogène pour des gens qui sont sur grande surface, c'est vraiment difficile. Et du coup, c'est le couvert végétal qui va ramener de la matière. Alors, c'est beaucoup plus lent, forcément, parce que là, on va ramener, on va dire, avec un très gros couvert, peut-être, on va dire, 10 tonnes de matière sèche, là où toi, t'en as ramené 800. Donc, on voit qu'il y a un delta en termes de carbone qui est immense. Mais en même temps, c'est pas exactement la même chose. Dans le sens où, avec des couverts qui sont jeunes, que tu vas détruire lorsqu'ils sont encore peu fibreux. Donc là, on a un couvert qui est encore peu fibreux, qui n'est pas encore monté à fleurs. Pour la moutarde, on a sur quelque chose qui est très digeste et donc qui va très rapidement stimuler l'activité biologique, ce qui n'est pas le cas de tes broyats, de tes chais verts qui ont une action, eux, sur le long terme et du coup qui ne vont pas stimuler très vite, on va dire, pour la culture qui suit l'activité biologique. Et du coup, en système un peu plus, on va dire, grand, un peu plus pour les grandes surfaces, du coup, on va jouer quelque chose sur, on va dire, en décalé. C'est-à-dire qu'on va commencer par des choses qui sont faciles à digérer pour augmenter rapidement l'activité biologique et ça n'aura pas forcément un effet sur la population de vers de terre très rapide comme toi tu l'as eu. Et c'est en plusieurs années qu'on va pouvoir commencer à introduire des couverts végétaux qui sont plus grands, plus cellulosiques. Par exemple, des seigles, des sorgots qui vont être montés à graines et qui vont être très solides, qui vont vraiment ramener du carbone et qui, là, vont commencer à nourrir le sol. Mais si on fait ça tout de suite sur des sols qui ne sont pas prêts, ce qui n'est pas le cas chez toi, puisqu'on voit que là où on a mis des coups de bêche, il y a déjà du vert de terre, il y a une structure qui est très favorable, c'est un sol sableux, donc ça minéralise beaucoup. Donc du coup, des matières assez carbonées, on voit qu'elles sont bien digérées. Dans certains types de sols où on ne peut pas ramener de la matière organique, il faut faire attention à ne pas commencer avec des couverts, à mon avis, qui sont trop difficiles à manger. Parce que sur le légume, alors ça ne sera pas forcément le cas sur d'autres productions, mais en tout cas sur le légume, qui est une culture très sensible et qui a besoin de beaucoup de fertilité, si on y met un sorgho à 30 tonnes de matière sèche, derrière la pauvre salade, elle n'a plus rien à manger et on a intérêt à charger en engrais et ce n'est pas forcément ce qu'on veut faire non plus. Du coup, il y a une notion de progressivité dans ce qu'on apporte au sol qui est plus importante avec les couverts finalement qu'avec les apports de broyat. Les apports de broyat, finalement, on met un coup très gros d'un coup, ça peut éventuellement poser des problèmes pendant un an, deux ans, on peut avoir des grosses fins d'azote, etc. Et après, en fait, ça met en route une espèce de grosse machine biologique qui ensuite se met à tourner. Avec les couverts, finalement, on ne met pas ce gros coup de boost. Et du coup, on peut avoir des difficultés au début sur des sols qui sont fatigués, qu'on reprend en début d'installation. Si on commence directement avec des gros couverts, peut-être que le sol il n'est pas encore prêt à les digérer. Et du coup, ça c'est l'évaluation de départ qui permet de savoir s'il vaut mieux partir sur des couverts jeunes, qu'on va détruire jeunes, ou sur des couverts qu'on peut mener très loin. Et du coup, la question là, qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait après ce couvert-là, dans l'hypothèse où on n'est pas chez toi, on va dire, et dans l'hypothèse où on n'a pas ce stock de matière organique un peu à volonté qui est disponible, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a plusieurs solutions. Est-ce qu'on veut implanter quelque chose tout de suite ou est-ce que ce couvert, on peut le laisser pousser ? Donc, si on veut implanter quelque chose tout de suite, probablement, là tu as commencé à planter de l'ail. L'ail de printemps. Il y a de la fève aussi qui est déjà en place. Donc ça, c'est des choses qui se plantent vraiment très bien. Et du coup, là, on pourrait, vu le type de couvert, qui est un couvert très cassant, on pourrait complètement, si on était mécanisé, donc là, je me projette dans un autre type de système déjà, bien sûr, venir rouler ce couvert-là et implanter en direct. Parce que là, le couvert est finalement assez propre, très cassant. Avec un rouleau FACA, ça ne se relèverait pas. Et du coup, on pourrait venir implanter directement un ail ou une fève. En système un peu plus
on va dire un peu plus petit, sans mécanisation. On pourrait aussi imaginer venir écraser le couvert, mais peut-être pas avec un rouleau, mais avec une planche ou avec, avec les pieds. Enfin voilà, les choses peut-être se réfléchissent autrement. Venir te mettre une bâche et entre les trous de la bâche, finalement ta structure de surface, elle est tellement grumeleuse, tellement aérée, qu'on peut très facilement planter un caillou d'ail dedans, ce qui ne serait pas le cas d'un sol argileux un peu dur. Où là, il faut être un peu pragmatique. Comment est la surface du sol? Est-ce que la surface du sol me permet de planter une motte super facilement? Ce qui est le cas chez toi, mais la plupart des gens qui vont démarrer, ils ne seront pas dans cette situation-là. Et dans ce cas-là, ils sont obligés de faire une action corrective de surface pour que le plant ou pour que la graine elle soit dans les bonnes conditions. Mmh. Toi, tu as la chance d'avoir une structure très légère et finalement, dès le départ, les conditions elles sont très bonnes. Il y a beaucoup de gens sur sol limoneux ou sur sol argileux, ils ont une surface qui est dure. Et le plan, on le pose, il rentre pas. Ouais. Et du coup, ça va pas. Ça va en serre, mais ça va pas en plein champ. Et du coup, on est obligé d'avoir une action corrective de type voilà, strip till, petit travail du sol, grelinette, râteau. Après, tout dépend de la surface. On est obligé de retravailler cette surface. Si on n'est pas dans une structure, on peut amener des gros apports de matière organique qui, eux, créent justement cette structure très favorable de surface. On nous demande, Jean-Marie, comment est-ce que tu détruis tes couverts végétaux, faca ou bâche de mois? Est-ce qu'il y a d'autres méthodes? Ouais, il y a une méthode, justement, tu parlais d'écraser. En fait, ça, j'avais vu ça chez Laurent Welch. Et du coup, je me suis fait la même chose. C'est une simple barre de fer taillée en V, en fait, auquel j'ai mis deux lanières. Et du coup, en fait, donc je la mets en gros, je la mets sous mon pied, en fait. Et du coup, la barre, elle va venir écraser le couvert. Et tac, et j'avance comme ça. Et du coup, ça couche un mètre. Donc pour ma surface, moi, je fais 30 mètres, je fais un aller-retour et c'est couché. Okay. Donc, là, on parle de couvert un peu comme ça, de couvert très jeune, très tendre. Ouais, même avec un sorgho, bon, pas non plus un à truc épais. À condition de le bâcher derrière. D'accord. Exactement. Ça marche, parce qu'il y a toujours, c'est pas non plus plaqué comme un rouleau faca ou quoi, donc c'est toujours un petit peu ouvert à certains endroits. La bâche fait le travail derrière et deux mois après, c'est bon quoi. Deux mois, ça a eu le temps déjà de bien se décomposer. Ouais, ou au moins de bien se tasser et derrière, quand on ouvre, on peut planter et ça repart pas. On te demande également, voilà, quand le tracteur de la Cuma vient épandre, est-ce qu'il roule sur les chemins? Alors, c'est pas un tracteur, c'est le manuscopique. Et tant que faire se peut, si les conditions sont très mauvaises, déjà il vient pas. Et si elles sont bonnes, éviter de rentrer dans les jardins, ça c'est sûr. Donc s'il peut manœuvrer, parce qu'il y a toujours un bras qui se déporte, normalement il peut poser un peu sur tout le jardin facilement. Et s'il est obligé de rentrer, bah il faudra que les conditions soient sèches et vraiment très sec, parce qu'une fois que c'est sec ici, ça bouge pas. Là il pourrait rentrer dans le jardin. Ce qui a été fait sur une petite partie sur des choux, j'ai refait un gros apport de matière et là il n'avait pas le choix, il était obligé de rentrer. Conditions très sèches, il est rentré, j'ai étalé, j'ai planté et ça a poussé. Okay. Donc pas de problème si les conditions sont bonnes.